Alors, ceci, Morgan von Braylan. Et on se retrouve sur Moonbeat Damage. Oui, ah oui, c'est vrai. Copier là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Et oui, tu fais qu'on retrouve son. Il a retrouvé quoi déjà? Son frère? Donc ça les mecs qui fallait buter avec la baleine disent c'est fait. Et effectivement que je retrouve le frère de la sèche. D'ailleurs, vu que ça y est c'est fait. On va reprendre le Twang Frenzy. Je dis pas, hein, j'aime bien, mais c'est mal quand même. Hein. On va reprendre le Twang Frenzy plutôt que la baleine. C'est déjà ouvert, je ne sais pas du tout où je vais, qu'est-ce que je fais. Je sais que je peux ignorer ici. Rien ici, d'accord. Je peux ignorer ces poissons. Et je cherche surtout à retrouver la baleine déjà. Est-ce que je vais savoir là. Ah voilà! D'avoir satisfait mon appétit pour le meurtre. Mais maintenant que c'est fait, ça manque un peu. Tu penses que... Vous pensez que vous allez continuer à tuer, que vous allez quitter cet endroit? Eh ben... Ouais, ça a l'air d'être bien parti pour. Ah, trop bien. Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de vous suivre partout où je peux. Tant que les océans le permettent. Utilisez Zero Hertz et puis je viendrai tout péter. Je suis content que nous puissions poursuivre notre relation destructrice. On peut utiliser Zero Hertz n'importe où. D'accord. J'ai l'intention de l'utiliser nulle part, mais c'est pas grave. Ok. Bah, c'était quelque chose, j'imagine. Oula. Non, y'a rien là. Non, mais. T'arrives pas de me suivre comme ça. Du coup, on va essayer de retrouver par où est-ce qu'on allait. Voyez-y, avec le poisson lune. Azaki. Je ne savais donner qu'une quête secondaire de fermer notre gueule. C'est un grand couloir. Oh! Ah. Alors. Dégâts de bruit léger deux fois à un adversaire. Hein? Des dégâts modérés à un seul adversaire. Oh, puis fait tout ça coûte tellement plus cher. Des dégâts légers deux fois, c'est tellement mieux que... Ah non, c'est pas que c'est mieux, c'est que celui-là, c'est son attaque signature. Il y a donc un coût réduit, c'est ce que ça dit en beige en dessous. D'accord. Mais tu sais, c'est que... Si je tape deux fois... C'est parce que si je fais deux petites attaques au lieu d'une grosse, bah, face à un ennemi qui a de la défense contre le boy, ça va pas faire grand-chose. Je pense que c'est mieux d'avoir un seul coup qui met une énorme baffe. Vous voyez. C'est pas lire ça, c'est pas un truc qui existe. C'est ça ne sert à rien. D'accord.
Regardez-moi ce champ de bataille. Pourquoi ont-ils fait ça? Ce que vous et Babi n'étaient pas assez. Comment ont-ils pu tomber aussi bas? Il a fallu qu'ils détruisent un aquarium parfaitement correct, mettant à la rue au cimetière tout un tas de poissons. Yann, je crois que c'est notre faute. Non, bref. Nous ne devons pas nous en vouloir pour n'être pas arrivé assez vite. La responsabilité reste entièrement sur les perpétrateurs du crime. On dirait que le réservoir était vide de toute façon. Bravo! Ah, très bien. Dans ce cas, ces pandales peuvent se considérer chanceux. Dieu seul sait ce que j'aurais fait s'il y avait eu des poissons dans cet aquarium. On va continuer, hein? Une mystérieuse porte cassée. Regarde! Une porte cassée. Une petite minute. Je vois dans mon esprit un point. Un second point, mais est-ce que ça connecte? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que les deux points vont se marier? Peu importe. Continuons. On ne peut pas se permettre d'être distrait maintenant. Babi est en danger. Très bien. C'est... Oh. Attends, mais c'est la suite, ça. Ça ressemble très très fort à la suite. On va y aller en dernier. Ah. Oh. Allons voir ce club privé. Traster out. Et c'est quoi ce costume de cow-boy? Playface, c'est clairement des... Cuttle Boys, comment on dit ça? Parce que Cuttlefish, c'est sèche. Je crois. Oui. C'est des sèches. Bon bah c'est des secs, mais ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pour les sèches, j'ai pas de poisson plus, les poissons. C'est les Sèches Boys. Les Sèches Boys. Ouais, le boy de la mer. Ok, d'accord. Vous voyez ce qu'il me répétait. Trace ta route. Attends un peu, c'est tenu. Les Sèches Boys. Qui tient la garde devant un studio d'enregistrement. Est-ce que ce serait... Est-ce que vous étiez avec Chuck Bridge, Cattlebrander? Waouh! T'es super malin, je suis impressionné! Il est vraiment là? Non, trace ta route. Et ton ami vient de dire... Fais pas gaffe à lui, il est sarcastique. Pas vrai, Henri? Oui, tout à fait, c'est vrai! Le seul et unique Chuck Bridge, Cattlebrander est en fait... en train d'enregistrer là maintenant dans ce studio. Le plus légendaire musicien qui vient des océans. Ah, oui. Et en fait, je m'appelle Henri la tête chapeautée. Et ça, c'est Lionel le Rancide. Faites pas gaffe à lui, hein, il est juste... c'est juste un vieux ronchon. Je fais juste mon boulot. Et tu regardes ton boulot aussi. Je sais pas qui vous êtes les mecs, mais on peut pas vous laisser passer. Restez de votre route. On vous laisse pas passer. Même si l'entre nous est un membre VIP du fan club de Ridge. Non. Et ce club est débile. Wow. Vous êtes dans The Ridge. C'est trop bien. Allez, Lionel, faut le laisser passer. Ce sont des invités premium. Oh ouais, bah toi.
dis juste ça parce que c'est toi qui as créé ce club. Que Craig, j'ai même pas au courant qu'il existe. Désolé, Harry, je sais que t'es fier de ce petit club, mais... Non, pas moyen qu'il passe avec cette table de membres. Même si il connaissait le fameux mot de passe Promium Mega Sheriff. Nah, ils sont pas courants. Je parie que c'est ce que j'ai écrit. C'est quoi cette paire de mots de passe? Rien, trace ta route. Oh, c'est juste un mot de passe super secret que seuls les amis les plus proches de Kukrich connaissent. Il a fallu qu'on le retienne par cœur juste au cas où quelqu'un passe et le connaisse. Je crois qu'il s'est tombé des morceaux de papier sur lesquels c'était écrit ici et là. Quoi? T'inquiète pas, Lionel, j'ai déchiré. Eh, alors t'es pas entièrement incompétent. Mais juste, pour l'amour de Dieu, arrête de te donner des indices à ces randoms. Ils sont juste là, tu sais, ils t'entendent. Ils sont probablement éparpillés, ça et là. Et je veux dire, les fragments du papier sur lesquels j'ai écrit le mot de passe. Oui. Si tu veux trouver les morceaux de papier, n'hésite pas à les ramener ici pour que je puisse m'en débarrasser correctement. Hein. J'ai écrit le mot de passe sur du papier bleu, donc je suis sûr que... Oui. Des morceaux de papier bleu. On va jeter un œil. Non mais c'est tout va bien, j'ai déjà tout noté. Moonin has barrel Audi. Et on pourrait pas juste leur casser la gueule? On a l'air plutôt balèze en baston. Essaye seulement ton petit délire avec la musique là, et je te tire droit entre les ovaires. Entre les deux yeux. Les ovaires, n'importe quoi. Point taken, d'accord. Oui. Alors, Moonin. Oui, c'est ça. Hats. Barrel et Audi. Oui, tu te rends compte que c'est ta faute, hein? Tu es la seule raison pour laquelle ils connaissent ce foutu mot de passe. Quoi que ce soit arrive à Kukrich, c'est ta responsabilité. Bah, ça ira, ils sont cool. Ils ont buté des poissons juste devant nous. Tu crois vraiment qu'ils sont cool? Oh, allez! T'as pas arrêté de râler contre l'ensemble Big Pup depuis qu'on est arrivé ici. Tu sais à quel point ils sont chiants. Regarde la réalité en face. C'est héros! Ouais! C'est des héros! Ces héros nous font une faveur! Bon, d'accord, allez-y, bande de sacs de chair, là. Allez rencontrer que Krige, puisque vous êtes détend. Oh! Oh! Pas bonjour, direct, je vole ce matos. C'est donc un nouvel objet qui permet de ressusciter un compagnon. Bon, vas-y, voilà. Ça va sûrement finir la poubelle de toute façon. J'aurais jamais dû accepter qu'ils impriment ma gueule sur ce truc. Je savais même pas ce que c'était que le tout puissant là. J'ai juste accepté parce que je crois que c'était un burger ou un truc du genre. Alors ça, j'aimerais bien lui donner mon nom. Hein. Attends, comment il s'appelle le machin? Allez, le tout puissant. D'accord. Du coup, bonjour. une petite minute, l'équipe. Chukridge, c'est une grosse légume, ok? Il n'y a aucun musicien plus invétéré que lui dans tous les séances. Il ne fait aucun doute que nos compétences sont testées à leurs limites. Mais il est si vieux! Ne le sous-estime pas, mais... Soyez sûr que vous êtes au top avant de nous en prendre à lui. Ok, j'ai compris, je vais sauvegarder. J'ai tout mon... 20 sur 20, ouais. Waouh, c'est un rail. Super pour faire du skate.
Le sol est si lisse. Ah, c'est un changement bienvenu comparé aux cheveux de Claire. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir là-bas. Mais ça suffit pour moi. Vous sauvegardez? Oui. Je trompe ma femme et sauvegarde tout. Ok. Et ça va? Si tu veux t'occuper. Qu'un respect. Wow! Chuck Rich, Cotton Brando! Alors, comment ça va de ce côté de la surface? Eh ben, je suis un invité d'honneur de Basse-Lunel. Lui et moi, ça remonte, vous savez, bien avant que vous portiez vos petites bottines. Il a dit qu'il réserverait son meilleur studio pour moi, Paratos. Et il a bien tenu sa parole. Ouais, c'est trop cool. Et on est juste là pour sauver Baby. Alors c'est vous qui mettez tout debout, qui foutez tout debout quand? Se obstiner à sauver un poisson en plastique en tuant tout un tas de vrais poissons. Vous avez vraiment vos priorités en bordel, hein? J'essaie d'enregistrer une chanson à propos de ma fille. Crépuscula? Mais... Sunset, c'est le crépuscule, mais... Crépuscula, c'était pas... C'est moche. On dirait Cruella un peu. Non, mais Sunsetina, c'est bien. J'arrive pas à trouver un instant de silence avec tout le bordel que vous foutez, là. Hey, on n'est pas des débiles. On est Death Bulge. Et ceux qui sont sûrs de gagner la baston des groupes. Non, vous êtes juste une bande de péteux. Tout dans le style et aucune substance. Tout dans le chapeau et rien dans les couilles. Je retire présentement mon enthousiasme de vous avoir rencontré. Et rien d'autre qu'un vieux schnock ronchon. J'ai pas compris. On dirait que quelqu'un a besoin de vous remettre à votre place. Et on dirait que ça va devoir être moi. Bilu bilu. Ah, il a manqué des gens. Et moi, je crame la gueule. Oh, adorable. Ah. Et... Oula, ok. Alors, premièrement, info. Ça fait quoi, l'heure, à plus de barre, là. Augmente tous les soins au-dessus de 30%. Ah, ça augmente les soins. Ok. Je voudrais me fortifier, s'il vous plaît. Ensuite, je voudrais les affaiblir. Oh. J'adore ce putain de banjo. Aïe! Ok. C'est l'heure de vous défoncer la gueule. Ah, elle a soigné tout le monde de 10, c'était minable. Je devrais probablement soigner Faye très fort.
Ouais, c'est pas mal, putain. Au! Ah! Ah! Attends. Et RT? RT comme ça? Hein? Ça me coûte mon tour de faire ça? Merde, ça me coûte mon tour de faire ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah mais oui, mais ça c'était tellement mieux que le Face Melter quand ils étaient 4. J'aurais pu remplir leur barre, je suis débile. C'est pas grave. Mega Pop Slap sur la sèche. La fureur des sèches. Ça, mon gars, ça va devoir se payer. Ok, soit du 51, c'est pas grave, j'en profite pour me fortifier. Et nous, je vais nous mettre en vrai des mesures de d'apaisement. Ok. Donc là, on va leur mettre un Hair Shredder et remplir leur part de douleur. Oh. Parce qu'ils vont tous agir d'un coup, ça va faire très mal. On va faire un Twang Frenzy. De la vitesse, ouais. Ok, toi, remets un peu de fortification. Aïe 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 aïe. C'est terrible ça. C'est la triche. Mega Pop Slap. Mega Pop Slap. Hair Shredder. Ah, ils l'ont renvoyé, comment, pourquoi? Des fois ça marche pas, des fois ça renvoie le... l'effet, je comprends jamais pourquoi. Qu'en soit, violence! J'ai dit... violence! Aïe. Bon, ça fait très mal quand même. Et lui, il n'y a plus de... j'aurais essayé un air chaleur. Ah, ça marchait cette fois. Tu es une méga pop slap.
Ils ont un carton. C'est rigolo. Non, sérieusement? Ah. C'était terrible, c'est mon dernier. Faut le tuer. Allez, oui. Ouh. Oh la vache. Et ça c'était un boss. Alors. Capillaire. Applique un effet de sèche. Ce que ça fait, c'est que. Donc un compagnon sèche qui sait faire du banjo sera invoqué pour se battre à nos côtés. À leur tour, ce compagnon va soit choisir soit faire un solo de banjo sur un adversaire, soit faire un gros solo de banjo sur des adversaires et affaiblir leur barre. Oh. Et j'ai pas vu venir. Peut-être que je me trompais à votre sujet. Bon, pour moi, vous êtes toujours que des. Mais il n'y a pas à mentir, vous avez du talent et vous avez l'esprit. Et c'est tout ce qui compte. Alors moi, ça fait plaisir à ce vieux blasé de voir qu'il y a encore une telle passion parmi les jeunes. Peut-être que Death Belch et Jack Rich pourraient faire une collab à l'occasion. Abuse pas. Mais vous avez dit... J'ai dit que j'admirais votre esprit. J'ai pas dit que j'admirais votre musique. Oh. Foutez le corps. Ça part. Waouh, vous avez vraiment réussi à tenir tête à Chuck Bill. Bravo. Ah, c'est vraiment quelque chose, les gars. Il l'admettra pas, mais même Lionel était impressionné. C'était 3 contre 1. En quoi c'est impressionnant? Ah, classique. Sacré Lionel. J'ai si mal. Ah. Encore lui? Mieux. Voilà. On se regarde. Est-ce qu'on a un truc à faire? Oh oui. Prêt? C'est ça, c'est un légendaire, je peux pas l'ignorer. Et si on l'équipait? Oui, mais... 2 mesures de vitesse, c'est quand même pas mal. Alors que ça, ça coûte du truc, c'est nul. On va l'essayer. Ah, et ça permet de régénérer, mais c'est moins la moitié du temps. Ouais. On va laisser comme ça pour l'instant. Ok, plus de stock. Donc c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est la suite. Donc on y va.
Non! Voilà, c'est bloqué, d'accord. J'allais dire, ça sent la cinématique. Babi! Et qu'est-il arrivé à Babi? Vous le saurez. Au prochain épisode. Je suis un enculé comme ça. Allez, au revoir à tous. Et à la prochaine.